Salut, c'est Martouf. Alors ici, nous sommes au jardin. Il y a un églantier ici. C'est aussi l'arbre à gratte-cul, aussi connu, qui fait des petites baies pour lesquelles, alors il y a énormément de vitamine C là-dedans. C'est mieux que de manger des citrons. Ou alors tous les sites qui nous racontent que les baies de goji, c'est absolument fantastique, mais ça vient du fin fond du Japon. Alors ici, on a l'églantier. Et c'est assez génial, c'est un petit goût acidulé. Alors, une fois qu'ils ont déjà gelé, on peut les récupérer. Là, j'en ai un dans la main. Et ouais, j'ai essayé de vous montrer ce que ça fait. Si je presse dessus, il y a une espèce de petite pâte qui arrive à sortir. Là, on voit pas très bien. Là, voilà, ça sort. Ce jus, une fois qu'ils ont gelé, est absolument magnifique. Alors, ensuite, il suffit de les manger, comme ça, là. C'est absolument délicieux. C'est tout à fait acidulé. C'est un petit goût très sympathique. Alors, il faut juste méfier parce qu'à l'intérieur, c'est les fameux poils du gratte-cul. Ceux qu'on peut mettre dans les habits des gens qu'on n'aime pas, puis qui n'arrêteront pas de se gratter toute la journée. Alors j'avais déjà fait une fois une pizza en remplaçant les tomates par cette le cynorhodon en fait. Quand vous buvez du thé au cynorhodon, c'est ça aussi. Gratte-cul, cynorhodon, églantier, fruit de l'églantier. C'est absolument magique. Bon, ben je vous laisse.